Mon titi. Quand j'étais petite, je rêvais d'être Cendrillon. La rencontre parfaite, le mariage parfait avec le mari parfait. Et mon conte de fées a commencé il y a 7 ans. Un peu cliché avec une école, une machine à café et ton sourire qui m'a fait l'effet d'un coup de foudre. C'était la rencontre de Cendrillon version 2015. Aujourd'hui est un jour très spécial dans la vie d'une jeune fille, mais aussi dans celle d'une maman et d'un papa. Mon titi, par où commencer ? Donne-lui ce sourire qu'elle a aujourd'hui et profitez de cette journée et gardez-la gravée dans votre mémoire. Mon titi dame, plus que quelques heures avant que nous devenions mari et femme, comment te sens-tu ce matin ? Moi, comme tu t'en doutes, je suis stressé, mais j'ai si hâte. Hâte de te voir dans ton si beau costume, hâte de te retrouver, tout simplement. Je t'aime de tout mon cœur, mon titi, ta future femme. Merci d'être la personne que tu es. Merci d'avoir fait tout ce que tu as fait pour moi. Pour mes parents, pour mes amis, ma famille. Merci d'avoir fait de moi la femme accomplie que je suis. Merci d'être toi, tout simplement. Quand nous avons perdu Pierrot, notre fils, tu as été d'un grand réconfort. Tu as été souvent là quand nous avions besoin de toi et nous t'en remercions toujours. Je pense également à une autre personne, une personne qui nous a manqué, enfin, qui nous manque énormément aujourd'hui. Je regrette l'absence de ton frère. Mais je sais que de là-haut, Pierrot est fier de la femme forte, mais magnifique et déterminée que tu es devenue aujourd'hui. Il est fier de l'homme que tu as choisi. Nous cédons bien volontiers à Laurie cette part de nous qu'est Kylian. Il sera, nous sommes certains, entre bonnes mains avec toi. Tu es une femme pleine de vie, de gentillesse et de bienveillance. J'y arrivais. J'aurais comme l'impression de te voler quelques secondes si je devais pleurer davantage. Pourtant, les larmes me montent quand je dis mon fils. Nous sommes fiers de voir la femme que tu es devenue, forte en caractère, tu sais ce que tu veux, et tu avances admirablement dans la vie. Monsieur Kylian, Frédéric Yannick Pellegrin, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Laurie Melinda Marion Creusier, ici présente? Oui. Madame Laurie Melinda Marion Creusier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Kylian Frédéric Yannick Pellegrin, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage.
Depuis le 3 mai 2015, nous ne nous sommes jamais quittés. Ma moitié, on fait tout ensemble, un peu gnangnan par moment. Mais bon, c'est les titis. Ce qui compte, c'est que depuis cet instant, on ne s'est plus jamais quittés. Des milliers de SMS, des centaines d'heures au téléphone, des kilomètres et des kilomètres parcourus, et pas en cheval blanc, mais en Clio de père. Moi, Kylian, je te reçois, Laurie, comme épouse. Et je promets de te rester fidèle. Dans le bonheur et dans les épreuves. Dans la santé et dans la maladie. Pour t'aimer tous les jours de ma vie. Laurie, reçois cette alliance. Signe de mon amour et de ma fidélité. Laurie et Kylian viennent de se marier. Alors c'est la joie pour dans l'église. Alors tous, on va applaudir fortement. Ces soirées, ces week-ends, ces moments passés à vos côtés ont été un pur bonheur pour moi et resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Même si nous n'avons aucun lien de sang, j'ai le sentiment de faire partie de votre famille. Et même si, comme vous dites, j'ai un cœur de pierre et que je vous le dis pas souvent, je vous aime très fort. Longue et heureuse vie à vous deux et on vous souhaite que le bonheur du monde. Tu es mon Titi, nous sommes le Titi, et je l'espère bientôt, nous ferons la famille des Titi. Je ne saurais comment te dire à quel point je t'aime, et ce n'est pas fini. C'est l'amour de ma vie. Et moi, aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Je suis Cendrillon avec le mariage parfait et le mari parfait. Désormais, j'ai simplement hâte que nous puissions écrire de nouveaux chapitres de notre conte de fées. Et aujourd'hui, plus que jamais, je t'aime, Titi. Oui, t'arrêtes de pleurer quand même.